Salut tout le monde, c'est MixerSen, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo multijoueur de GTA 4 The Battle of Gettoni. Donc notre première vidéo multijoueur, donc en compagnie d'Alex. Salut bande de gens. Le petit salut comme ça normal. Ouais, donc là on va commencer par un petit saut en parachute et on fera plusieurs vidéos multijoueurs ensemble. On verra après si la compagnie peut se regrouper, on verra. Donc c'est parti, t'es prêt Alexandre? Ouais, on va essayer. Sur une belle vue, bah c'est parti, moi j'y vais. Yahoo! Wouhou! C'est bon, je suis sauté moi. Ah, je te vois, bah tu t'étais vite dit. Ah d'accord, tu t'es fait sauter quoi, c'est... Et normalement quand t'appuies sur contrôle gauche, ça te fait un petit... Ah voilà, ça fait de la fumée, c'est joli. Ah d'accord, je pète en volant, c'est bien. Oh bah tu verrais ma couleur, oui. N'importe quoi ce truc là. Genre le mec il y a des fumigènes dans ses godasses. On va essayer de tomber, moi je vais essayer de retomber sur la route correctement. Yahoo! Bon, j'arrive directement à Little Italy, c'est en mode je suis un mafieux et pourtant j'ai une barbe. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à descendre correctement. Qu'est-ce que... Ah, attendez, y'en a un qui vient de me traiter de connard. Viens! Voilà! Et qui t'a rien fait. Alors, je vais te rejoindre. Je l'aime pas, tu vois, c'est... Ah, j'ai oublié de mettre les... En mode... Putain, y'en a il voulait la crever, tu sais. Voilà, c'est bon. Ah c'est bon, je te vois, t'es là. Tiens, voilà. J'étais comme ça, j'avais même pas tiré dessus, puis là tu m'obliges. Tu vois, c'est parce que tu m'as traité. Bah ok, tiens. Voilà. Serais-tu invincible? Ouais. Ah non, mais je suis pas d'accord. On va aller faire un petit bordel dans la boîte de nuit, Bahamas, Mamas. Et ça va, le gars, c'est sa vie, Bahamas Mamas. Bahamas Mamas. Ah bah ça va, c'est pas loin en plus. Ça doit être là quelque part. Putain, c'est peut-être il a mon perso. Alors attends, je vais me téléporter, moi. Attends, bah non, je l'ai, Bahamas Mamas. Viens, on se rejoint à Bahamas Mamas. Ouais, si j'arrive à trouver où c'est... Ah, c'est bon, c'est par là. Non, moi, tu dois me voir le point. Bon, j'ai envie de buter un piéton, là. Attends, on va lancer un petit lance-roquette là-bas. Tu sais que si t'as envie de tuer des gens, c'est pas bon, moi, t'sais, hein, c'est... C'est pas bien. Tiens, oh là là, comment qu'il vole. Bahamas Mamas, la meilleure boîte. Ah mais ça va, Bahamas Mamas, dès que tu joues à GTA, en fait, tu joues à GTA pour aller à Bahamas Mamas, toi, c'est... Ah ouais. Donc je reprécise les gens que Bahamas Mamas, c'est la boîte de nuit que j'ai recréée dans les Sims, je redis, parce qu'il y en a, il planait. Donc voilà, la voici, c'est celle-ci. Bon, bien sûr, un petit peu différente quand même. Hein. N'est-ce pas, Alexandre? Oui, beaucoup. Et puis ensuite je referai, on avait fait Maisonnette 9. Putain mais lui qu'est-ce qu'il a lui? Petit coup de sniper dans ses couilles lui. Ah j'en ai eu. Je crois que je l'ai touché. Pourquoi tu tues des gens? À la main gros cul. Bon allez go, viens, on rentre dans la boîte de nuit. Ah. C'est le seul endroit où mon jeu crache pas dans GTA quoi. C'est... Ah c'est vrai que c'est plus fluide hein, quand on rentre dans un bâtiment, ça c'est clair et net. Chez Rockstar, ils optimisent les jeux de manière assez spéciale. Ouais, j'espère que GTA 5, ils vont gérer. Hein. Bon, après ça, il faudra changer de PC, ça c'est clair et net. Hein. Ça va, moi j'ai acheté un PC de la NASA. Bon, moi au début, je jouerais en résolution pourrite. Mais après, ouais, quand on aura le nouveau PC... Ah, attends, la télé, ça rend les gens gros, ça. Voilà. De toute façon, faut casser tout ce qui rend les gens gros. Donc, Internet... La télé... Ah ça va, genre ça met une baguette, dit que... Toujours sur internet, voilà. Putain. Casse tout, mais ah, casse aussi les tasses de café, tout, ça rend gros, même les livres, parce que les livres, il y en a qui disent que ça rend intelligent, mais ça rend aussi gros parce qu'ils bougent pas les gens. Allez hop, voilà, plus de livres. N'importe quoi, ce ah, la plante aussi, ça peut stresser. Voilà. Ah, le fauteuil, ça rend gros, voilà. Par contre, la musique, on va la laisser, on va les danser, tiens. Moi, je vais danser un peu. Oh, voilà. Et c'est tu dis du tu 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 tu. Non mais on danse pas sur une table hein. Oh je suis... Ah d'ailleurs tu dois venir. Tu dois venir dans mon bureau, je dois te licencier. Ah bah ça va, moi quand j'ai... Allez on vient. Si tu veux pas trop... Viens dans le bureau du chef, comme dans les Sims. Non, on fait ça que de me licencier, je sais pas ce que je Allez. Fais. Alors, va, je m'assieds. Tu veux 56 personnes, c'est pas tout. Voilà, je vais m'assire correctement. Voilà, oula. Attends, doucement, parce que là c'est un petit peu... Ah le siège, putain. Attends, on va faire rouler le siège, voilà.
Je vais demander à un siège. Heureusement que dans les Sims, ils sont mieux, hein, les sièges, parce que là... Bon, voilà. Bon, bref, enfin, ça se tire quand même, hein. Voilà. Ah ouais, t'étais en train de t'asseoir sur le bureau en mode... Voilà, allez, tu me vois là, c'est bon, je suis assis. T'es planqué derrière un bureau, mais bon... Bah, voilà, je... alors, je... tu signes le papier devant toi, là. Attends, bouge pas. Voilà. Ça, c'est juste une nature. N'empêche, ouais, dans les Sims, par contre, il y a pas ce truc-là, là. Je l'avais enlevé, ce truc-là, mais bon. Ah, les vidéos, c'est pour ça, et là, bientôt, les arrivées des prochaines vidéos, ça sera les Sims, Splinter Cell, je vais refaire beaucoup d'anciens jeux, en attendant les bons jeux qui vont arriver. Enfin bon, Splinter Cell, c'est pas vraiment un ancien jeu. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait longtemps un bon GTA, hein. Puis j'avais pas encore fait un multijoueur, donc là c'est l'occasion. Ah, il y a des verres là. Hop, faut débarrasser. Voilà, on casse tout là, les ivrognes, allez hop. Voilà. Ah, faut pas me tirer dessus, hein. Ah ça va, le mec il se met en mode invisible, enfin invisible. Voilà. Invincible. Ah, les platines. Parler, c'est bien. Les platines de DJ. Go DJ, go DJ. Genre, le mec c'est un DJ. Voilà. Ah, en plus, gars, ça fait exactement sauf que moi dans les Sims j'ai amélioré, j'ai mis plus de platine. Voilà. Et en plus on passe par le bar. Ouais, c'est nickel. Ah, attends, il y a encore des verres là, je suis pas d'accord. Ah, mais es-tu au courant qu'ils peuvent boire de l'eau aussi? Bah ouais, mais non, c'est... Ouais, ça m'étonnerait ça. Hein. Ah, ouais, et là nous avons une couille volante. Hein? Ouais. Bon allez, on monte. Bon, les flics viendront pas, les a désactivés les flics, hein. Mais sinon ils auraient bien défoncé ces fils de chien. Ah non, mais ça, les flics... Ah là ils ont mis des logs pour ceux qui s'habillent crapés, parce qu'il y en a, ils rentrent pas s'ils sont s'habillent chien. Genre les boîtes de nuit, elles sont sympas quoi, ici. Ouais, de toute façon c'est interdit au moins de 18 ans les boîtes de nuit. Genre les mecs ils te fournissent des fringues, c'est bien. Boîte de nuit c'est moins de 18 ans. Après les boîtes qui font rentrer les mineurs c'est des boîtes de cassos. Moi... Moi c'est que des jeunes adultes et tout dans les Sims, ouais, t'es d'accord avec moi, hein, Alexandre. Avise le lit. Oh la salope. T'as vu, elle t'a défoncé en plus, vite, tire. Oh, faut qu'elle crame cette garce. C'est bon, ah, on bah, l'a eu. Bon. Salope. Vite. Elle se barre quand même, hein, le garce. Hein. Tiens, elle a sa gueule. Ah bah voilà. Bah voilà. Une affaire rondement menée. De toute façon, moi, faut pas qu'il me parle comme ça. Ah, y'a une garce. Oh, comment tu l'as eu? Attends, encore une. Voilà. Ah, moi je suis sniper élite avec avec un magnum. Voilà. Je sais même pas si ça s'appelle un magnum, mon truc que j'ai, je sais rien. Bah en fait ça fait un peu comme le... Comment on appelle ça? Ouais, le magnum, mais un peu, bah je sais pas, ça... comme le Desert Eagle, mais en amélioré en fait, non? Ouais, c'est... Bah, c'est vrai, un truc comme ça. C'est vrai qu'il est pas mal ce flingue là, mais ça fait un flingue plus riche, hein, quand même. En même temps, ce Bad of Gethony, c'est un petit peu un GTA de riche. Ouais, c'est vrai que... Ça, avec ces boîtes de nuit, ça fait comme dans les Sims. Ah maman. Ah. Ah, pigeon. Ah oui, ils vont se prendre un bon cadeau dans leur gueule. Ah. Ça, j'ai pris une voiture des plus... Eh, faut aller au pénitencier, Alexandre. Alors attends, on va monter dans une voiture. C'est moi qui conduis. Ah, ça va pas marcher sinon. Hop, tant des quins. Merci. Genre... Dès que tu conduis par téléportation, on se retrouve sur un toit, je sais pas où. Alors, on va se téléporter au pénitencier. Genre, nous, on attend même pas de se faire attraper par les flics, on y va direct. Ouais. C'est des gens bien. Alors, j'espère que ça va marcher, attention. Oh. T'as vu qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. Ouais. Là, on est sur un toit, là. Ouais. Comment que t'as sauté comme une merde? Non, apparemment moi j'ai été TP. Voilà, c'est bon, allez hop, on saute, on est dans le pénitencier normalement. Non, j'espère qu'il y aura quand même les prisonniers. Ah, même si tu sautes de là, tu vas crever. Non? Ah bah attends, je cherche un truc pour descendre. Bah moi je peux sauter comme je veux. Je vais sniper des gens, moi, un petit peu. Vraiment que je télécharge le trainer. Ouais. Ouh, les gens se téléportent aussi, incroyable. Tiens. Attends, là je suis en train de jouer en mode Assassin's Creed, là. Attends. Les yeux éditorés en mode mieux, quoi. Voilà, c'est bon. Attends, j'essaie un truc. Vas-y. Non. Non, non. Moi, je suis descendu. Ah non, apparemment, je suis pas mort. Mon perso, il a déjà... Ah bah, ça va. Ah, je te vois, en plus. Alors, par contre, faut... Je sais pas, c'est dommage qu'il y ait pas les prisonniers. Normalement, ils sont là. Attends, on est en pleine nuit. Ouais, bah, on les... Bah, si, on les fout dehors, quand même. Faut des balades nocturnes, ouais. C'est des prisonniers. En temps, dans une ville qui a... Et on sort comment après, du coup? Ouais, faudra sortir en téléportation. Ah, c'est bien, on a plus de voiture.
Ah, je pense qu'on peut monter là, je crois, je m'en rappelle plus, mais. Ah, je me souviens, c'est là qu'on avait, que j'avais buté Billy Gray dans The Stand. Ah, il a fond dedans, hein! Ah, mais non, mais là j'ai recommencé le jeu, j'en peux plus quoi, c'est. Ouais, ça nous entraîne un peu pour le nouveau GTA qui sortira en septembre sur console. Oh putain, il casse les couilles. Ouais, voilà, bref. PC Gamer. Leur console, dire qu'il y en a qui disent que les consoles sont plus performantes. LOL. Non, mais. Bon, bien sûr, moi je peux pas trop parler, t'as vu mon PC. Bon, après, c'est vrai que. T'inquiète. Ouais. Au mois de janvier, j'aurai un PC. Il vaudra au moins la PS66, tu vois. Ah, non, moi aussi, quand ils vendront le PC, bah, moi, ce sera fin 2014 plutôt. J'attendrai vraiment les derniers trucs là, tu vois. Ils vont chialer leur mère. Ah, je vais jouer au basket. Oula, les paniers. Tu sais qu'au basket, il faut lancer une balle dans un palier, il faut pas tirer dedans. Ouais, ah. Ah, hey, t'as vu, des caméras aussi de sécurité, tiens. Gare. Ah. Non, il va vouloir que je fasse le pénitencier de la Liberty City. Oh non, ça y est, non, ça va faire concurrence. Apparemment, d'après toi, quand tu fais un pénitencier, ça fait concurrence avec la boîte de nuit. Bah ouais. Ah bon. Non, mais voissons dans les nouveaux Sims, on fera un futuroscope. Ça, parce que j'ai pas envie que les gens se promènent en vaisseau volant là, en pleine ville. Hein. Bon, je sais pas où aller. Mais non, mais les vaisseaux volants, c'est la vie. Je vais me téléporter, moi. Et le devoir trouver un moyen de me casser d'ici. Voilà, moi je suis barré. Ah ouais, je suis en mode prison break. Tu veux que je remette la nuit? Attends, je vais essayer de remettre la nuit. Oh, pas besoin, ça va. Ah, c'est interdit. Voilà, est-ce qu'il fait nuit là? J'annonce. Ce pénitencier est le pénitencier le moins dur pour s'évader du monde. Regarde ça. Enfin, regarde. Mais là, je me suis échappé, tu vois. En mode ninja, c'est assez bien. Je suis vraiment à mon gauche, j'essaie de sauter en parachute, je me suis craché comme une grosse merde. Le pire, c'est qu'on entend bien le cric. Je sais pas pourquoi tu t'es TP. Ouais, c'est bon, je suis ailleurs. Bah, au pire, tu tutoies, et puis tu me rejoindras comme ça. Attends, il faut que je trouve un mec qui me bute. Alors là, c'est trop bizarre, on se croirait dans... je sais pas où, là, je sais pas si tout est bleu. Ouais, ça fait propre, hein, t'as vu. J'aime bien. Ouais. Et pourtant, j'ai mis les graphiques, enfin les graphismes en bas, mais vraiment en bas, à chier quoi, genre j'ai un PC qui est fait en carton, tu vois. Et bah, je sais pas, les graphismes sont toujours. Ah, moi aussi, ouais, je précise aussi que j'ai dû baisser mes graphismes aussi, pardon. Oh là là, qu'est-ce qu'on parle comme des merdes. Et ben bah, ouais, esprit pour la vidéo, parce qu'avec Fraps, putain, Fraps. Bon là, ça va. Oui. Comme j'ai quand même fait un exploit. Ouais. Hein. J'ai quand même tenu avec Skype sur GTA pendant plus de 5 minutes. Bon, c'est, je vais incroyable. Sauter là, moi. Super. Ah, il y a une moto, je vais la prendre. Ah non, elle craint. Moi, je vais prendre une belle moto, tiens. Attends. Ah, si vous voulez jouer avec des motos, il fallait prendre... Bon, voilà, donc... excusez-moi, on a eu une petite coupure. Donc là, on se reroute. Je me suis téléporté vers Maisonnette 9. Donc vas-y, on y va, hein, Maisonnette 9. Vas-y, go. Ah, voilà, par contre, je range mon arme, c'est interdit. Voilà. Non mais j'ai dit les armes mais les véhicules aussi. Non mais... Je savais pas trop où la garer en fait, c'est pour ça. Les véhicules aussi, hein. C'est interdit ça. Ah c'est vrai, c'est bon. C'est le mec qui... Il rentre en moto dans la boîte de nuit mais il range son arme. Ouais. Ah c'est bien, t'as vu, c'est la seule boîte où qu'on peut marcher. T'as vu? Ah j'avoue que je sais pas pourquoi les persos ils s'excitent, ils courent tout le temps et... Et puis là ils marchent. Je sais pas. Voilà. Ah c'est pas mal gars, y a pas de vidéo, on peut faire le bordel. Bon bah on en profite, allez hop c'est parti. Hop, là ça rend grossi. Casse tous les verres hein, surtout. Vas-y en fait c'est la boîte concurrence donc faut la détruire. Enfin bon la boîte concurrence c'est bon, c'est à moi hein, ici. C'est à moi. Ah non moi je suis propriétaire de Babas Mamas. Donc faut pas de concurrence. Et Cédric, viens voir ici. Donc je tiens à informer aussi que cette boîte là je l'avais recréée dans les Sims, je l'avais appelée Bahamas Mamas mais elle s'appelle maintenant dans les Sims Zonette 9, donc vous voyez avec les escaliers, le carré disco que j'avais fait en haut. Donc voilà je le dis pour ceux qui suivent, oula je parle comme une merde hein. Pour ceux qui suivent les vidéos des Sims aussi,
Voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours de suivre tous les vidéos, parce qu'il y a toujours un lien entre les vidéos. N'est-ce pas, Alexandre? Je sais, je sais. Ah, c'est Par vrai? contre, écoute un petit peu ce qui se passe là-dedans. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Attends, écoute, ouais. Je vais augmenter le son. Ah ouais, j'entends une femme parler avec... il tire la chasse d'eau, je crois, non? C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que c'est quand même en multi, les gens ils baissent dans les chiottes, tu vois. Bon allez, faut foutre un petit lance-roquette, moi je dis, ah non, ça va faire ramer, attends, on va... Ah, une caméra de sécurité là, concurrence, vite. On détruit ça. Ils ont J'ai jamais triché. vu le fond là-bas. Il n'y a pas besoin de caméra dans cette boîte là. La meilleure boîte, c'est Bahamas, Mamas. Oh yeah. Ça va, je suis aux chiottes. Tranquille. Ah, franchement, c'est quand même pas mal, même les enceintes. Eh non, tire sur les enceintes, normalement ils tombent. Ah ouais, ils tombent, excellent. Ping. Ping. Parce que moi je l'ai recommencé plusieurs fois la mission avec quand il y a des gunfights dans les boîtes de nuit. Et je tire sur les enceintes, ça tombe sur eux, c'est ça, c'est pas mal, ça fait gagner des points et J'ai tout. jamais fait gaffe ça. Ouais, t'as vu, mais c'est pour ça qu'il faut toujours refaire les jeux à chaque fois. C'est comme si Pin Dog, hein, y a encore des trucs que j'ai loupés. Ah, il y a des canettes là. Ça rend gros. Putain, ils boivent bien là, hein. Voilà. Pas de concurrence. Oh yeah. Bon, moi je vais sortir de la boîte. On va aller faire un petit tour dans le Hercule, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens, tout le monde le sait, on est gay, alors on y va. N'importe quoi. Alors attends, bah je vais prendre une caisse. On va prendre... Apparemment, les bordures des portes de jeu ne permettent pas de faire une marche arrière en moto, c'est bien. Attends, tu Allez. montes dans ma voiture, s'il te plaît, merci. Genre, le gars il va avec sa pote Gwyn dans la boîte gay, quoi, vas-y. Ah par contre je sais plus c'est où, c'est de l'autre sens hein. Donc faut reculer là. Ouais, c'est là-bas, c'est là-bas. Attends, j'y vais tout le temps, hein. Secours, attends. Moi j'y vais jamais, c'est pourri. Ah, moi non plus, moi non plus. Juste pour l'émission, c'est l'émission quand tu gères la boîte et tout. Ouais. Je vais y aller. Ah c'est là. Attends, on va se garer dans le parking derrière. Hop. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on compte sur toi pour la refaire dans les Sims. Oh non, celle-là non. Oh, je le dis Non, bien. non, je vais faire une boîte de striptease dans les Sims, tiens. C'est vrai que je referais bien, moi, la boîte de Boan, tu sais. Dans les Sims, dans les Sims 3, ouais. Voilà, on peut descendre. Allez, on va aller faire un petit tour. On prend un flingue qui est des méchants. Il croit faire la course, là. Voilà. Genre elle me double comme ça. Alors, vis-à-vis des jeunes lumières tout pourries, ti. Putain, j'avoue qu'en fait cette boîte là elle a chier Ah un c'est vrai peu. qu'il n'y a rien en fait, gars. En fait, j'ai pas compris pourquoi Ketoni il dit ouais, on a les deux meilleures boîtes. Oh, je Ah, crois putain, non. ça c'est la meilleure boîte de la ville pour les PD. Putain, on a de bol. Hein. Excuse. Bah Dieu, et bah Mas Mama ça remballe tout hein, d'un coup. J'apprécie que je n'ai rien contre le public homosexuel. Voilà, comme ça je vais pas me faire arrêter par les flics pour homophobie. Je sais même pas si on peut. Bon. Ah mais c'est vrai, ils auraient pu faire une boîte un peu plus propre quoi. Bah en fait quand il y a beaucoup de monde tu te rends pas compte en fait. Ouais, Tu passes pas autant. c'est quand il y a du monde, t'es surpris, tu te dis waouh, c'est bas et tout, mais en fait. Bon bah je pense qu'on va se quitter ici, qu'est-ce que t'en penses? Attends, je tire le vieux là. Voilà. Avant je vais juste. Juste. Voilà. Attends. Ça me démangeait, enfin bon. Attends, dis. Non! Oh là, on va faire cramer ta caisse en même temps. Ah. Non! Oh putain, c'est vol plané! J'ai volé vers Jésus. Bon, on va se quitter ici. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!